Solution, petit kakobunda, petit kakobunda.
kuchola na pesa ki reference ya 2 Pierre chapitre 3 verset 3 kuna pete lua alobi ni akambu ya suka batu bakomona makambo minine zambia kwa sala ni batuwa bazane limbo ya mabi bako tumboka bako continue kushinda bako continue kuchola bako continue kubundisa likambo yango nzoka nde uyu akukuya na libanga uyu bamasoba sabotaki akupasuka Bible nde za koloba na 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10 uyu akutuwa na libanga wana bakunika ye nzambe babundaka na yete batata pe bamama awa ndenge tovandi nani nakati ya fami akoloba kaza na pasite nani nakati ya nzoto na ye akoloba kaza na ye malamu eza la mundele eza la mutu mwindu nani nakati ya mboka na bango bakoloba ke nuna vampa de difitirite nuna vampa de problem nani nakati ya peyi na ye awa tosangani bapeyi ebele so tuko tuna mutu na mutu boko yoka presque tout le monde mokili mobimbezali represente awa ba peyi diferent otondi soki totuni histoire ya peyi na peyi bokoyoka bapasi ndenge ezali ekosila na esika nini soki toyokani tokangi liboke tolobi no ona bokusufere tomonaki pasi na maboko ya bato oyo banyokolaki biso lokola nzambe ya ye epai na biso biso moko tokumisa ye tosanjola ye topesa ye oyo ekoki na ye ye apambola biso alobi moto mwindu nde ekolo na ngai bible nde elobi ezali ngai te bible te ya biso bakimbangiste te bible universele oyo toza kotanga baeglize nyonso bokende kotanga bapassage oyo topesi batata mpe bamama nous avons le devoir de transmettre le message tel qu'il est dit na kati ya bible tokoki kobomba te mpona bibokoloba ete boyebaki ndenge nini boyebisaki biso te awa nde mozole ezali esika nguya ya tata nzambe ezali oyo alingi bokonzi ezala na nzoto ezala na mokonzi ya tata nzambe awa kaka na nkamba nzambe ye oyo tozali komona na miso baninga babetaki libaku na nkolo yesu badutaki ntango bazotala ye balobi me jeune garso oyo aza kofinga ye okoma nzambe ndenge nini me lelo mokili mobimba au nom de jésus oyo batyolaki oyo babetaki oyo babwakelaki soni nzoka nde azalaki nzambe ereri wana eya lisusu epai na biso te peuple africain mwana ya RDC tososola totya makanisa esika moko bato oyo bamemelaki biso makambo ya bapaya babebisaki baendiri biso na ereri te nzambe ye oyo tovandi balobi ntango ye akoya il restera libela na libela na bino nzoto oyo ekoki kolumbela bambula na bambula te l'incarnation incarnation ndenge nkolo yesu batunaki ye na bayuda me ndenge nini ye olobi ke wana elia wana jean baptiste ndenge nini makambo oyo esalami boye nkolo yesu ayebisi bango jean elia ayaki me boyebaki ye lisusu te akokaki kolata kombo ya eli te akokaki kolata elongi ya eli te nde azwaki kombo ya jean baptiste incarnation lelo tozali na tata molimo mosantu papa simon kimbangu oyo nkolo yesu atindaki kende yebisa bato verite oyo bayuda babebisaki papa simon kimbangu aye akutani na bandeko na biso awa bayaki kokolonize biso alobi ngai nazali envoyé je suis un envoyé de jésus christ or envoyé de jésus christ na bible ye nde babengi le saint esprit l'envoyé de jésus christ ye nde le saint esprit jean 14 verset 15 à 16 ti kuna na se ye nde molimo mosantu basosolo balobi likambo tobungisaki epai na biso yango oyo tokanga ye bakangi banyokoli ndenge nyonso tubalingaki me likambo yango ekufi te puiske azalaki koyeba ete ekosalema ndenge wana alobi na 1918 nakobotama lisusu na lubumbashi akufi awa azali na nzoto oyo ya bomoi alobi lisusu na bamama ya babokilo na ngai baza na bazemi kaka ngai moko nde nakobotama lisusu kuna na 1951 akufi na lubumbashi awa mpe abotami azali kaka na kati na biso bolanda nzoto te ye oyo nzambe oyo toza komona na miso on fait pas le fanatisme mais toza na susi esalaka biso pasi bandeko batata mpe bamama oyo ezali likambo ya kobomba te
tango tozali komona bato baza ko comprendre te eza pasi naza na revue moko awa ya mokili ezali ya lingomba na biso te bakomi yango depuis 1966 mingele na Afrique du Sud baza ko discuter bango na bango mpona apartheid boyoka mingele aza kotuna baninga na bango balobi boye et si Dieu était noir nous arrivons au ciel nous qui notre vie durant avons traité les négros en être inférieur. Or Dieu est là. Nous levons les yeux et découvrons qu'il n'est pas blanc. Que trouverons-nous à dire? Batata na ba maman. Bana ya Congo, bana ya Afrique, mutu mwindu zwa mayele. Balobi, oyo avandi awa na nkamba, oyo tozali komona avandi azamu tulukula bisote. Yende ya kosangisa na ba mingele, na ba tumindu. Tolongo awa, toke de kote ya bango piske basalaki ere, to korije ba fote, oyo bango basalaki. On ne marche pas les mots, toza koloba oyo bisoto yebi, to vandi awa, toza komona, bo konzi ya mokili oyo, ezali awa na nkamba. Bokunzi ya tata Nzambe ezali awa na nkamba totika kobundisa totika kowela na totika kosala ba distraction tosangana tosala eloko oyo Nzambe alingi apambola biso tozwa lobiko na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Totelema tosambela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Combattre la président Balumalu na kombi ya tata mwana pembo limo centre na kombi ya tata mwana siko yoto landa suite ya programme na biso bato boni bakoya na mikrofoni na kolobao tokolanda directeur de cabinet yemo takosala ozalai na maluba yalingomba pona fete monene oyo soko ya sirisi mama ministre provincial na bakongo mama sasa akopesa biso liloba Nambisa, maman ministre du commerce, madame Nefertiti, à cause d'un Ali Loba, et puis ministre et conseiller de l'ambassade de France, Soko Galinga Laté Okolobapé. Voilà, Ayoki. Et puis vice-président Yasseni, et Nasuka Deto Souki Sakalamo Kondiaboule. Ainsi, nous demandons au directeur des cabinets, le révérend Lando Ndombasi, de bien vouloir. Honorables députés et sénateurs, très chère Maman Sifa Marani, mère du président de la République, Excellence Madame le ministre du Commerce, Excellence Monsieur l'ambassadeur de France ici représenté par Son Excellence Monsieur le ministre et conseiller de l'ambassade, Excellence Monsieur le vice-gouverneur de la province et ville de Kinshasa, Messieurs et Mesdames les administrateurs et directeurs généraux des entreprises publiques et privées, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, en ce lundi 6 avril 2015, il fait exactement 94 ans, jour pour jour, depuis que la puissance de l'Éternel se manifesta au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. C'est en ces jours mémorables, jours durant lesquels il débuta son ministère pour accomplir cette œuvre salvatrice du genre humain qui commença par la guérison miraculeuse de Maman Nkiato Ndo, agonisante à Ngombe Kintsuka, et aboutit à la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. C'est donc un double événement que nous célébrons aujourd'hui, à la fois le début du ministère de Papa Simon Kimbangu et la naissance de l'Église kimbanguiste. À cet effet, au nom de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, avons le signe honneur de vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église kimbanguiste. Puissiez-vous être plus honoré que vous ayez accepté de braver les difficultés de la route pour célébrer avec nous ce double anniversaire. L'anniversaire de ce jour est d'autant plus spécial qu'il est commémoré en plein cycle de centenaires qui se suivent comme suite. 12 février 1914, 12 février 2014, centenaire de la naissance de sa grandeur, Papa qui sur lequel est lequel Charles Daniel, 25 mai 1916, 25 mai 2016,
centenaire de la naissance de son éminence Dialunga Nakyangani Salomon, 22 mars 1918, 22 mars 2018, centenaire de la naissance de son éminence Dialunga Nakuntima Joseph, 6 avril 1921, 6 avril 2021, centenaire de la fondation de l'église Kimbangis. Nos ancêtres du Congo d'Antotila invoquaient jadis l'esprit Kimbangu quand leur vie était mise en mal. L'esprit Kimbangu s'est manifesté à eux, notamment par la résurrection des enfants morts-nés. Leur prière était formulée sous l'expression, nous citons, Kimbangu Fula Moana, fin de citation, qui veut dire Kimbangu ressuscite l'enfant et l'enfant revenait effectivement à la vie. Cette présence manifeste de l'esprit de Dieu Kimbangu était ainsi affirmée au XVIe siècle par la prophétesse Ntimba Kimbavita Donna Béatrice, qui fut brûlée vive sur un bûcher pour avoir annoncé la venue d'un sauveur noir à l'heure où justement le peuple était soumis à d'innombrables tribulations générées par le système de domination, traite négrière, esclavagisme, ségrégation raciale, exploitation des faibles par les forts, maltraitance, exécutions diverses et nous en passons. L'homme noir avait été gravement aliéné, ses valeurs spirituelles, son identité culturelle et ses origines bafouées et hypothéquées. Ce processus de chosification de l'homme aboutit à la tenue de la conférence internationale de Berlin en octobre 1885 et c'est dans ce contexte que naquit 2 ans plus tard, le 12 septembre 1887, Papa Simon Kimbangu, venu pour libérer le peuple de Dieu, car, comme le soulignent les Écritures saintes, nous citons, à chaque époque, Dieu envoie un guide auprès de son peuple pour le conduire et l'éclairer. Fin de citation. C'est dans cette optique que s'inscrit la mission que notre Seigneur Jésus-Christ avait confiée à Papa Simon Kimbangu et qu'il a expliqué à son temps, à ses disciples, lorsqu'il leur dit, nous citons, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Fin de citation, Jean 14, 16. Le kimbanguisme affirme à la face du monde que Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit nous promis par le Seigneur. Ainsi, le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu répondit à l'appel de Jésus-Christ et démarra sa mission, celle de libérer l'homme opprimé et l'homme tout court. C'est donc le leitmotiv de sa mission multidimensionnelle qui amène au salut des âmes. Sa mission suscita la jalousie des colonisateurs qui décidèrent son arrestation et sa condamnation à perpétuité. Pendant cette dure période où il fut emprisonné, l'Église entra en clandestinité. Le 24 décembre 1959, l'Église kimbanguiste vit le jour par l'acte de reconnaissance du gouverneur général de Léopoldville. Elle
recevra sa personnalité juridique par l'ordonnance présidentielle numéro 141 du 1er décembre 1960. L'église de Jésus-Christ sur laquelle passe son envoyé spécial Simon Kimbangu est une église chrétienne, l'une des premières églises indépendantes d'Afrique, membre du Conseil économique des églises, membre du Conseil des églises de toute l'Afrique et de l'OAIC, une église non violente, apolitique.